Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de comment partager un résultat de recherche par email. Alors, pour cette démo, je vais utiliser le portail de la médiathèque de Charenton. Donc, on va faire une recherche. Troll de Troyes, qui est une BD que j'apprécie. Alors, pour partager cette recherche par email, vous avez au niveau de l'en-tête de la recherche, ici, un petit bouton partager par email. Donc ce bouton est partagé par l'authentification, donc on est obligé d'être un utilisateur connu dans Bokeh pour accéder à la fonction. Une fois que je me connecte, j'ai la pop-up pour envoyer l'email qui apparaît. J'ai un champ destinataire donc pour envoyer à la personne que je souhaite, au mail que je veux. Un objet du mail préalablement rempli. Donc ça sera le nom du site et un libellé qui va reprendre les termes recherchés. Et dans le contenu du mail, vous allez avoir un lien vers votre site, vers la recherche qui est derrière, pour y accéder directement. Et la liste des documents qui apparaissent sur la liste, sur le résultat de recherche, au format HTML. Donc là, je vais me l'envoyer. Une fois que le mail a bien été envoyé, la page se rafraîchit et vous êtes informé en haut, dans le petit bandeau de notification, que le mail a bien été envoyé. Donc on n'a plus qu'à vérifier que dans notre boîte email, on a bien sûr le mail. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez bien l'objet qui est repris, le renvoyeur, donc par défaut ça va être le mail de l'administrateur au niveau de la configuration du profil, le lien pour renvoyer vers le résultat de recherche complet et les différentes notices. Voilà pour cette démo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.